Petit James. Alors, de préférence, on prend toujours un coupe-griffe avec les embouts ronds pour éviter de faire mal à l'animal. Alors, donc, on n'hésite pas à appuyer sur le coussinet pour faire sortir la griffe, pour qu'elle soit beaucoup plus visible. Et donc, sur les griffes blanches, tout ce qui est type de griffe comme ça, et sur les chats, vous voyez la matrice. Le côté rose, c'est ce qui saigne, donc il ne faut pas couper cet endroit-là. Sinon, l'animal, c'est pas très douloureux, mais c'est pas agréable sur le cou, donc il ne va pas apprécier. Donc, vous coupez que l'embout de la griffe qui est blanc. On s'arrête au côté rose, on le coupe juste avant. Voilà. Merci James.